Au début du 20e siècle pour que je puisse connaître comment la musique elle est encore vivante là-bas. En Europe, elle est vivante, mais il y a un impasse que c'est l'impasse où on doit pouvoir redéfinir l'émotion. Et aussi dans les opéras, je pense que cette façon de redéfinir l'émotion est une obligation à faire entre les chefs d'orchestre et les metteurs en scène. Et c'est pour cela que le prix du succès est pour moi un grand honneur de la recevoir, parce que je connais la trajectoire de du succès et du Festival d'Aix-en-Provence, avec toute la renommée de ce festival et tout ce que ce festival a apporté comme création aussi contemporaine. Bernard Faucroul, vous savez quel grand musicien il est, l'équipe d'Aix, je ne vais pas nommer tous, mais Émilie Delorme, tout ce qu'elle a fait pour que l'Académie puisse avoir la vie qu'elle a, Béatrice Delage, vraiment l'âme des productions, aussi avec Stéphane Hugonnier, avec Alain Perrou, la voix. Bon, je pense que c'est une équipe des rêves aussi que j'ai retrouvée à Aix. Et c'est pris du surché et les recevoir de la main de Jérémy Rohrer, que c'est un musicien que j'admire beaucoup pour tout le travail qu'elle fait autour de la musique préclassique et classique, et des très beaux Mozart qu'il fait aussi cette année au festival. Bon, c'est un très très grand honneur. Alors je remercie beaucoup pour ces prix. Et être à Aix, encore une fois, je pense que ça va être aussi une histoire d'amour dans les années à venir, avec les créations comme Cavalli et dans les futurs, je pense. Quel souvenir je vois l'eau au Grand Saint-Jean à Aix. On s'est retrouvé entre les étoiles avec Isis qui partait, qui mourait et qui revenait, qui devenait fleuve. Avec le Festival de Saint-Provence, on va revenir avec une grande création en 2013, Elena de Cavalli, un opéra qui n'a été jamais joué
à l'entier ni mise en scène de nos jours. Alors c'est un opéra comique avec tout ce qu'on peut imaginer sur l'histoire d'Hélène avec tous ses amants. Elle est raptée à gauche et à droite avec des travestis, des différentes histoires très très coquines. Bon, la musique toujours sublime et à la fois très directe, très simple, mais avec les grands arcs que Cavalli a hérité de Monteverdi. J'étais en train de jouer un concert et un membre d'un chœur, Vincenzo Di Vetta, un ténor, m'offre une partition et me dit « J'espère qu'une fois tu pourrais faire cette partition, tu pourras. » Alors, plus tard, quand je suis devenu directeur artistique du chœur des chambres de Namur en 2010, je me suis dit « C'est le moment ». On sait à quel point une pièce d'un grand inconnu, Michelangelo Falvetti, qui parlait du diluvio universel, de la lutte universelle, Ambroné m'a dit « Est-ce que tu es sûr ?» Et on voulait, je me souviens, mettre le diluvio universel d'Antonio Vivaldi, au moins pour attirer du public. La force qu'on a dans les spectacles vivants, on n'arrive jamais à l'avoir au disque. C'est-à-dire tous les paramètres que le public apporte, on ne les a jamais. Falvetti nous a permis de découvrir la force de la musique sicilienne à la fin du XVIIe siècle, qui a une grande influence de l'Espagne, du nord de l'Afrique, aussi de la musique iranienne et de toutes les percussions orientales. Et c'est pour ça qu'on a appelé Keivan Shemirani, qui a fait avec nous la création et qui nous a permis d'aller vers les silences en musique. Et de chanter dans le silence. C'est une invention à moi, parce que Vivaldi n'a jamais écrit un Vespro qu'on sache. Il a écrit des pièces séparées, des psaumes. Et ce Vespro San Marco était quand même assez évident pour moi de pouvoir l'imaginer, parce qu'il a écrit des pièces pour les jouer à toutes les festivités de l'année. Mais San Marco est quand même le patron de Venise, par excellence. Alors, cet exercice de l'imagination était accepté par tous les musiciens. Et quand je suis arrivé en Europe en 1997, j'ai fait mon premier disque avec Gabriel Garrido, les ballets comiques de la Reine, à Ambroné, et plus tard j'ai continué comme académicien et plus tard aussi comme professeur, et plus tard Alain Brunet, le directeur du festival, m'a invité
pour diriger des différents programmes, pour enregistrer dans le label Ambroné, qui a permis qu'on soit connu au-delà des frontières d'Ambroné. Vous savez, c'est un très petit village. C'est un miracle ce qu'Alain Brunet a fait avec cela. Et avec mes ensembles, le chœur des chambres de Namur, Capella Mediterranea, Clematis, on a réussi à créer des programmes et on continuera à les faire, je pense, en 2013 et en 2014 avec le Vespro de Monteverdi. Ah bon. Et des surprises en 2014. En plus, il y a un très très bon Nabucco de Falvetti. Johann Sebastian Bach, c'est pour moi la raison d'être musicien. Je pense qu'avec les chœurs des chambres de Namur, imaginez une musique autour de la musique que Bach faisait au café ou pour les grandes festivités des princes. Je pense que c'était assez évident parce que se plonger sur la musique d'église aujourd'hui où tout le monde le fait, c'était pas très intéressant. Je pense qu'on le fera beaucoup plus tard. J'aimerais diriger la Passion selon Saint Matthieu quand j'aurai l'âge où Bach l'a composé. Sophie Fonoter, c'est vraiment avec elle que j'ai retrouvé la force d'un chanteur par rapport aux musiciens. Sophie Fonoter dirige avec sa voix. Une capacité pour reconnaître les couleurs qui doivent l'entourer, surtout dans la musique baroque. On vient d'enregistrer un disque avec elle pour le label Naïf, Sogno Barocco, aussi avec notamment Sandrine Pio qui chante, une autre formidable chanteuse. On a enregistré Monteverdi Cavalli et on voit à quel point elle connaissait très bien quel instrument devait envelopper et de quelle façon il devait jouer et comment il devait s'exprimer à tel moment pour tel texte et qui devait être enchaîné avec un autre à ce moment. Bon, on attend rarement des choses comme ça d'un chanteur, non? Alors c'est comme ça que j'aime les chanteurs. Pas non plus festif. Quand je vois ça écrit, généralement, je pense qu'il s'agit aussi de l'imaginaire des gens quand ils savent que je suis argentin, que je suis latino-américain. Et c'est très intéressant de voir cela parce que je retrouve dans beaucoup de pièces que j'ai fait quand même une grande nostalgie. Et des fois, toute la mélancolie de mon pays. Qui est représenté dans tout l'art de mon pays. Mais après, on avait soin du festif, bien sûr, pour revenir. Je suis très nostalgique d'une époque qui n'est plus là. Je ne me sens pas du tout quelqu'un qui ne vit pas dans cette époque. Mais la grande nostalgie de cet art, qui est encore vivant chaque fois qu'on les joue, et la résurrection de l'âme du compositeur au moment où le son est en train d'apparaître, est un miracle qui est difficile à décrire. Je pense qu'un paléontologue, au moment où il pourra recréer un tyrannosaurus avec l'ADN et tout ça, n'aura pas la sensation qu'on a. Parce qu'on ressuscite des âmes chaque jour. Alors c'est cela qui provoque dans les musiciens, à chaque jour, un miracle quotidien. Un miracle quotidien.